C'est énorme. Ah là 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 là. Flashback. Ah putain. Plus haute pour pas que ça. Allison Landers, this is Brandon Lynch. Thank you for identifying Ishimura archive footage and rig logs that could potentially contradict the official storyline of its demise at Aegis 7. It is critical that no word of the artifact's recovery ever be surfaced to the public. It is disturbing that such records still exist this many years after the incident. We have locked out your research team's access, and we'll be replacing them with EarthGov specialists effective immediately. Please contact me once the replacements arrive. Whoa, 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 whoa. Oh! Ah, en fait, je peux les balancer directement sur eux. En fait, je m'en sers comme un lance-grenade, quoi. Ah merde. Ah. Merde. T'approche pas. Oh! Ah non, ça va. Ok. Putain, c'est vrai qu'il est bien ce truc. Ça vient d'où? D'où ça vient. On avance petit à petit en fait. Ça a eu les deux. Presque.
Ok, on va récupérer les mines. Putain, c'est vrai que ça... Faut le dire, hein, ça fait un miracle. Comme ça, pour les zones comme ça, sans le truc à mine, c'est horrible. On sait jamais où les monstres vont apparaître, et puis quand ils nous tapent, ils s'en vont en plus, quand on est par terre. C'est vraiment un calvaire, quoi. Sauvegarde. On continue. Hop là. Ellie, I'm almost to the captain's nest to activate the tethers. All right. The centrifuge looks full to full power from here. Great. Let's hope this works. It'll be tight. You ready? All set. I'll wait for your signal. J'aime beaucoup moi, le système de communication, il est quand même vraiment bien fait quoi. Time to go, comme m'a dit Clark. Oh oh. Fuck. Oh shit. Ah, ça tu l'as dit. Tuer ce malade. Chapter 11. Je sais pas par vraiment où on est là. Ah oui, c'était... En fait, je trouve pas les rails du train. Ouais, pas grave. J'arrive pas à trop bien me replacer, en fait, de par où on est passé, enfin, où on atterrit, tout ça. Mais bon, on s'en fout.
Alors 4, 1, 2, 3. Je crois qu'on va faire les 3 là. Sinon on peut faire quoi d'autre? 1, 2, 3. Non, on va faire cela. Voilà, comme ça, ce sera plus ou moins de dégâts maximum. Comme ça, ça va nous aider. Sauvegarde. Ce qu'on va faire aussi, je pense vers la fin du jeu, on va arrêter d'utiliser certaines armes. On va récupérer tous les nodes. Un peu les boules. Oh non. Voilà. Je t'attendais, espèce de connard. Charge vite. Ok. Faut putain de vite réagir. Bon bah. Non, elle disparaît. Il en manque toujours une. Ah, elle est là. Ok, c'est bon, on se casse de cet endroit de merde. You have to help. Step 3.
chier. Enfin, je crois que là, ça va la faire péter de toute façon. Si on a une qui pèle, je crois que l'autre va péter aussi. C'est où le bleu? Il passe ces connards. On n'a pas d'autres des trucs là? Non. Allez. On voit un truc et que ça reste devant lui, comme ça, ça explose. Voilà. Ah, putain. Bien joué! Un autre dans une boîte. Ça, c'est... jamais vu ça. Quoi ce qu'il dit ça? Il y a rien. Ah, il y a rien. Non, oh, putain. Sticky. Sticky, sticky. On a bien joué là, je trouve, avec tout le bordel qu'il y avait, on s'est bien débrouillé, je suis content. Je suis très content même. Hop, un, deux. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va poser ça. On va poser un truc comme ça aussi, et on va acheter ça. C'est vrai que cette arme est... c'est pas la plus puissante du jeu, mais c'est vraiment la plus pratique, quoi. C'est ça le truc. C'est que des fois ils nous arrivent tellement tous dans la gueule, quoi, que la seule façon de s'en sortir. C'est de les repousser. Comment on va se débarrasser de lui? Merde! Voilà, ça c'est fait. On va aller par là en plus, putain. Ah putain! Ah
pas bon. Ah, ça m'énerve d'être pris en sandwich comme ça, putain. C'est vraiment la partie chiante du jeu, quoi. C'est ça, quoi. C'est le sandwich, en fait. Non! Putain de merde. Tête que je voulais. Le dégât des mines, parce que maintenant en fait les monstres sont assez résistants, ça les tue même pas en un coup, quoi. Putain, qu'est-ce qui fait sombre ici. Alors, autorisation technicien en ligne, malfunction. Ah. Il y a des monstres qui se ramènent. Ça on peut pas l'utiliser non plus. On va mettre quelques trucs ici. Pour nous aider en bas, parce que c'est en bas qu'on va devoir opérer, je crois. Ce serait bien d'avoir une putain de lampe torche là quand même. Retour à l'envoyeur. Je parle pas trop, mais je me concentre à tendre des pièges. Il est passé où le truc?
Oh merde. Ah putain. Putain, déclenche pas la mine. Tant que je peux les tuer avec les armes, j'ai pas besoin d'utiliser des mines. On a vraiment des mines de partout. Bon, il faut changer ça donc. Par où je vais passer? Ah, faut activer ça, d'accord. Reste là, toi. Oh la vache. Ouais, ils peuvent arriver que sur la gauche. Oh, parfait, lumière. Wow! On a bien fait de mettre des mines. Ah merde. Ah, ça c'est des enfoirés, ils m'envoient des bébés. Comme ça, ça détruit mes mines. Bon, y'a plus rien à récupérer. Si, si, il y avait ça. Ah merde. Ah putain. Mec, tu me casses les couilles toi. Ah merde. Cours, forest, cours. Attention shift workers. Be mindful of the nearest survival chamber. These are your only hope of survival should a cave-in occur. Okay.